États-Unis, Canada et plusieurs autres pays qui font partie du Conseil de sécurité des Nations Unies continuent à prendre sanctions contre différentes personnalités politiques et économiques dans le pays. Automatiquement, les sanctions sont prises là, les gens commencent à changer de discours. Dans le moment où on a parlé là, nous gagnons Youri la Tortue qui déclarait lui-même lui retirer colle dans toute activité commerce, toute activité business. Dans ce moment-là, lui retirer colle. Et question en pile, on a posé, est-ce que c'est retirer colle dans toute activité commerce qui pourrait empêcher résolution 2653 Conseil de sécurité des Nations Unies qui dit depuis ces gens qui financent gang insécurité en Haïti, ils ont gelé tout compte, ils ont saisi bien. Est-ce que c'est retirer colle dans commerce qui pourrait empêcher de tomber en bas sanction? Yon l'autre bon, genye sénateur Joseph Lambert, président tire sénat, qui lui-même li déclaré à propre bouche li, dans ce qui te passé dans l'élection 2010, yo, côté pays États-Unis, côté Edmond Mulet, débarqué la caille président Préval à l'époque, pour demander changer résultat élection, yo, li te là. Et c'est lui-même qui te prend paquet d'initiatives pour finalement retirer Jude Célestin dans la course. L'homme nous dit ce qu'on a changé, c'est pas blague, non? Eh bien, restez là pour ajouter plus de détails. Jodi, on fait exactement 16 mois depuis président Jovenel Moïse assassiné dans la Kaili, dans Pèlerin. Eh bien, pas de rien qui fait dans le dossier ça. Nous prenons regarder tout, différents aspects géopolitiques. Nous prenons regarder qui différence qui gagne entre Haïti et différents autres pays, côté États-Unis lui-même, lui gagne influence, li, mais yo traité autorité, yo traité citoyen yo différemment. Pour qui ça c'est Haïti? Pour qui ça, dans le moment où on a parlé à la, influence États-Unis, li plus sérieux à déstabiliser pays, que le ranger situation difficile dans vivre là-dedans. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue. C'est un plaisir pour m'avec aujourd'hui dans l'émission pour là, mon éditorial avec Yannick. Nous allons analyser différents points, ça, différents paramètres ça, qui pourraient nous comprendre plan américano-canadien dans ce moment-là, qui constitue pour une intervention en Haïti, qui constitue pour prendre une résolution côté sanctionner différents acteurs politiques et économiques qui ont même des relations à gang, qui ont des relations à bandits, qui a fait des violences dans le pays. Et pour qui ça, jusqu'à présent, 16 mois après l'assassinat de Jovenel, pas de rien qui fait dans le dossier. C'est toute information ça. Nous prenons déjà ma petite au préparo, puisque la pral fait de manière méticuleuse pour comprendre tout bagaille noir sur blanc. Préparons. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Rentrer dans l'émission pour aujourd'hui là, faut que moi prenne un petit temps pour me souhaiter à chaque grain d'ami, chaque grain fanatique émission, fanatique plateforme là. Qui a fait aujourd'hui, que ce soit un anniversaire de naissance, un anniversaire de mariage, une initiative ou entreprendre aujourd'hui là qui réussit, quoi fait-il? Moi là avec vous pour me souhaiter une joyeuse fête, ok? Encourager pour continuer à faire tout ça qui est positif, que même énergie de positivité ça, que même enthousiasme ça pour continuer à faire tout ça qui est bon et me garanti. C'est pas dernier anniversaire, a bien l'autre anniversaire encore côté que ou ka continuer faire tout ça qui bon yo. Et nous t'a bien aimé dans l'émission là fêter avec chaque monde de manière individuelle. Mais l'heure a tellement fait la guerre et dans moment qu'examen voyez et photo yo voyez dit ça faut moi te gen temps dépêcher pour finir avec l'émission. Donc c'est ça qui fait nous ouais pas une photo qui passait moun yo près de vingtaine là. Donc c'est ça qui fait ça. Mais non prochaine occasion ou même qui voulait me fêter avant pour me passer photo, assure que l'on voit les photos ou voit les photos. Même là c'est une photo oui, mais faut voir une photo qui très présentable, une photo pour nous font bagaille qui grandiose, une belle bagaille, vous comprenez? Donc faut faire ça un jour d'avance.
si fête là et mardi ou voyez l'an lundi, si fête là et mercredi ou voyez l'an mardi. Donc pour me gagner temps, gagner 7 ans devant pour me planifier. Mais ça pas empêcher que jodi en là, m'a fêté avec vous ou sous cœur moi Raymond même j'aime qu'on est en retour même là. Donc son sentiment qui réciproque, continuer à amuser ou enjoy ou pas quitter aucun monde sous aucun prétexte venir gâcher journée d'anniversaire ou là. Et oui, kounya nou pral rentre nan information yo. Jom te gen ta annonce l, nou genye diskou yo ki chanje nan sa ki gen pou wè avec Youri la Tortue, Joseph Lambert ki yo même après sanction États-Unis à Canada pran kont yo même et yo mette tout tête yo dehors. Si à un certain moment yo t'a fait job international lan, si à un certain moment yo t'a mette en application politique destructrice que États-Unis, Canada, différents le pays dans communauté internationale là gagné contre Haïti, gagné contre Haïtien, et bien jodi an là, yo campé comme un seul homme pour yo avili qui ça avili blanc, même blanc yo tap servir. Là nous gagné un avis que Youri la Tortue mettait dehors. Ancien sénateur de la République Delma 64 pour Prince Haïti avis. À ceux que la question intéresse. Suite avec allégation grave que yo présenté contre lui-même instance canadienne américaine yo deux pays a adopté contre lui-même des sanctions financières et li estimé pour éviter que et fonctionnement entreprise li affilié là dans yo pour éviter que activité commerciale dans différentes entreprises que lui-même li gagne soit action li gagne soit intérêt là dans pour éviter que activité entreprise a lésé. Li décide pour retirer col dans toute activité commerciale. Li retirer col dans toute activité de commerce. Quand il y a question puis le monde a posé, non moment là côté que des sanctions financières qui prend contre Youri, contre Lambert, li mette un avis comme ça dehors pour dire retirer col dans toute activité commerce. Est-ce que c'est ça qui pral permettre que yo pas sanctionnel? Est-ce que c'est ça qui pral permettre que États-Unis, Canada pas saisi bien? Est-ce que c'est ça qui pral permettre est-ce que yo pas gelé l'argent avoir li gain etc.? M'a répondu catégoriquement non. Le fait que retirer col dans toute activité commerciale, ça pas veut dire pour autant que ou pas propriétaire en business. Ça va me dire pour autant que ou pas actionnaire non business. Est-ce qu'on comprend? Là c'est pour la galerie, c'est pour peut-être retirer et projecteur caméra sous entreprise que li ka actionnaire là-dedans, sous entreprise que li ka participer là-dedans, gè des intérêts là-dedans ou bien sous propre entreprise pal, li prend, li mette col sous côté, li prend retrait li nan business ça, mais c'est pas pour autant que li pa gen action là-dedans. C'est pas pour autant que si États-Unis, Canada décide que y a attaqué, yo pa ka attaqué, yo ka attaqué. Yo ka prend des sanctions financières contre toute entreprise, tout business que Youri la Tortue, que Joseph Lambert, yo même yo gen action, yo même yo propriétaire etc. Même le yo ta mené enquête yo ta ouais, nèg sa yo ta gen business, c'est à des prêts non, c'est à des séries de l'autre monde qui a géré business ça pour yo. C'est des séries de l'autre monde qui t'a administré business ça pour yo, ka toujours décider sanctionner yo parce que c'est business nèg yo, c'est l'argent nèg yo lié. Leur décide de prendre des sanctions financières contre eux-mêmes, c'est tout ça qui touche intérêt économique, c'est tout ça qui touche l'argent, c'est tout ça qui touche avoir gagné. Puis te mettre son car ou gagné, te mettre son business ou gagné, li te mettre ses machines ou gagné, whatever ça lié, depuis ces bagages qui carrent, qui ka rapporte, qui ka rentre l'argent, sanction a touché quand même. Donc là, n'a essayé comprendre et nèg yo nan moment là, y a essayé conforter yo, y a essayé prendre position pour comprendre qui en position côté yo pas senti yo trop lésé, côté yo pas senti yo trop dérangé pour ka montrer moun au moins yo camper en face décision États-Unis, Canada prend compte yo, mais pourtant c'est joie ti moun ka fait nèg za yo plan Américain ou canadien qui est là, yo connaît pertinemment bien même là parler dans toutes médias, parler dans toute micro la presse qui gagne. Yo connaît yo pas ka camper contre plan ça. Et bon l'autre aspect important me voulez nous comprendre jodi avant de continuer l'émission. Nèg yo dit c'est parce que yo camper contre intervention militaire en Haïti. Mais on nous imaginer nous une seconde.
Si intervention militaire là, si blanc enterré Léo te dit, nous pral font intervention militaire en Haïti, principal bénéficiaire là c'est nous-mêmes la pied. Nous pensons que nèg ça va pas utiliser même micro la presse pour yo faire promotion, pour yo faire apologie intervention militaire en Haïti. Nous pensons c'est pas même nèg ça qui t'a pral prendre micro la presse pour dire Haïti non situation déplorable, li non situation catastrophique, faut gain intervention, faut communauté internationale aider nous. C'est à même yo même. Jodi an qui ça blanc veut faire? Qui ça monsieur le blanc veut faire? Qui ça international veut faire? Qui ça États-Unis Canada veut faire? Yo veulent conforter Ariel dans position là. Yo veulent consolider pouvoir Ariel. Yo continue à marcher avec Ariel. Et non à ce stade des débats, dans situation ça, que on prend Lambert, que on prend Youri la tortue, que on prend différents autres groupes politiques qui fait alliance avec deux monsieur ça yo, yo gen plus à peur que yon gen a gagné si toutefois intervention militaire là li atterri en Haïti. Parce que yon intervention militaire qui rentre dans un moment crucial, côté que Ariel Henry, impopulaire qu'il est, côté que même Ariel Henry ça qui décrié, même Ariel Henry ça, majorité population pas vle, pas d'accord, yon ta remè wel quitte te pays yon, blab débarqué, blanc ça toujours a supporté Ariel Henry, blab vin conforter Ariel dans position là. Si nèg sa yo té au moins yo té gen un plan, yo té wè plan nan niveau 3, le fait que blanc a supporté Ariel toujours blanc préparé pour voyer mission en Haïti, yo wè projet yo gen qui té nan niveau 3, li descend à 1. OK? Yo gagné plus chance pour yo échouer que yo aller de l'avant. Donc c'est tout normal ou est Youri ou est Lambert ou est différents autres politiciens qui n'a kan exa yo, yo prend micro la presse, yo dou yo même yo pas nan question intervention militaire. Mais soyons sérieux, le a parlé de intervention militaire, c'est pas nan aucun intérêt peuple haïtien yo, c'est pas nan aucun intérêt politicien pays d'Haïti, peuple haïtien etc. Non. C'est pas une question pour gang, police nationale qui gère question insécurité pour col, police nationale qui finit avec démantèlement gang pour col. Non, nèg sa pas quoi nan bagay sa. Vu que le blanc vini, le gen émissaire étranger qui rentre en dedans pays, canadien, le gen délégation qui vini en dedans pays, tout chute à parler, ce n'est pas dans l'intérêt, tout chute à parler, ce n'est pas yo bénéficiel. Donc, à tous les coups, yon obligé de montrer publiquement, yon pas d'accord. Mais s'il te dans l'intérêt, yon tap d'accord. Kou ni alors gagné, nous yon l'autre bord, Joseph Lambert, par exemple, qui dou, en 2010, l'élection faite, Jules Célestin, Madame Aniga, c'est eux-mêmes qui t'apprennent dans le deuxième tour élection, etc. Et puis Edmond Muller avec une délégation qui sortit en dedans OEA, ils ont débarqué en Haïti, la caille président et Préval à l'époque. Ils ont débarqué dans le pays, ils ont vu passer Préval l'ordre comme quoi, faut résultat élection, ça, faut qu'ils changent parce que eux-mêmes ils ont pas voulu, ils ont pas contre côté, ils ont sorti avec Jules Célestin au Bayol, eux-mêmes ils ont pas dans cause Jules Célestin, ils ont pas dans cause ça parce que pour eux, en dedans ambassade américaine. Pour et d'ailleurs, nous toujours disons ça. L'autre de chaque élection qui a fait en Haïti, autant de OEA financé élection ça à 80%, 90%, ou même connaissez les résultats, c'est lui qui a passé. C'est comme ça le toujours. Même l'autre de peuvent voter. Dernier mot, c'est OEA qui gagne. Il y a un observateur pour mettre au tout, il y a un observateur qui a venu pour vérifier que l'élection n'a pas gagné irrégularité, l'élection n'a pas entaché de fraude, etc. Mais pourtant, la caillou pour qui ça a gagné l'élection, ou pas, jamais gagné des experts, OEA voyé des experts, l'autre bloc régional voyé pour venir l'élection. Donc, c'est la caillou qui gagne démocratie, la caillou pas nous. Yo même yo imposé loi par yo, yo imposé principe par yo. Bon. Bon qui t'entendez, sénateur Joseph Lambert, qui lui-même a bay version pâle, puisque tout le bagage a été passé devant, l'ité là, l'ité nan planifié pour retirer Jules Célestin dans l'élection au profit des Américains. C'est là que nous n'avons pas yo. C'est toujours travail blanc, travail international y a fait. Bon, gen moun ka di menti, gen moun partisan, c'est partisan, militant pour n'avons pas yo. Y a dit c'est menti, y a vle manje moun, mais réalité, on prend le temps de là avec deux oreilles, vérité, on prend le temps de là avec deux oreilles. Fin attendez, m'a retourner après pour nous continuer l'émission, pour nous continuer commentaire, puisque il y a un autre point qui est extrêmement important là pour nous débattre sur lui. En attendant. Pas pression entre fort sur moi. Faut que nous retirer Jude dans l'élection. Et pour que nous publier résultat élection ouvrir. Dès au cœur des événements dans moment ça, Jean Mouna. D'ailleurs, m'étais coordonnateur national plateforme unité. Ouais.
Nous sommes qui travaillent très très proche président Préval, candidat yo, en général. Et moi, je vive la situation. Je vive, mais pas de gaieté de cœur. Je vive avec un pile honte. Je vive avec vraiment un pile déshonneur, un pile indignité même. Élection faite. Jude, annoncé par le conseil électoral là, le gagner avec 53% des votes. CNN qui a annoncé résultat élection, 53%. Et CNN fin annoncé, aux 3h et 4h, et puis à 5h, mon délégation débarqué. Vous connaissez le résultat, bay, pratiquement tout chef parti, tout gros potent parti, tout réuni ensemble pour commencer déjà à explorer qui j'en passe à sur le fait et autres, etc. C'est l'autre réflexion qu'a fait. Qu'on a fait bilan pour dire qui ça déjà nous gagne comme élu député, comme élu sénateur, comme élu dans la collectivité, pour construire majorité, là, ça, pour commencer à réfléchir sur type d'alliance stratégique ou tactique qu'on doit faire et autres, etc. Et puis, Edmond Muller débarqué, ensemble avec yo ambassadeur à l'époque, et puis je l'autre, mon dans l'OEA, mon ONU et autres, etc., qui a occupé de questions d'élection avec lui. On a parlé ou bien en unité? Non, non, il a débarqué Kaye président. Kaye président Thomasin, ou bien en haut. La boule. Le arrivé, président content, l'accueil, yo, météo chita, etc. Le président pense peut-être que n'est le porteur de nouvelle, l'autre nouvelle, qui a une balle compliment, ou qui a fait compliment pour candidat. Là. Et puis, Edmond Muller prend la parole. Ah, président. Je suis venu pour me dire que les Nations Unies, la communauté internationale, n'a pas accepté le résultat de l'élection. Ça. C'est l'élection truquée qui fait. C'est bouage une, c'est manipulation chiffre qui fait. Et que ce n'est pas acceptable. Et nous venons pour me dire que le résultat, ça, nous pas accepté. Le président dit, je ne comprends pas. Je ne vais pas faire l'élection moi-même. Mettez moyen pour créer conditions pour élection faite. Question élection. C'est pas un parti politique, conseil électoral, si une contestation. Par contre, si dans la chronologie fait, qui ça situe, parce que je me songe, l'ambassade américaine, tu as une note qui a été sortie. Est-ce que ce n'est pas le même soir de la proclamation des résultats? Ouais, c'est le soir même. Le soir même. C'est après la visite d'Edmond Muller. Oui. Hein? Après la visite d'Edmond Muller. C'est après la visite d'Edmond Muller. Exactement. Okay. Et puis le soir même, il est sorti communiqué. Et là, il dit, président, résultat, ça n'a pas bon. Le président dit, mais on ne va pas faire élection. Moi. C'est le conseil électoral qui fait élection. Et moi, je gagne seulement pour publier le résultat de l'élection dans le moniteur. Je dis non, si on publie le résultat, ça, il n'y a pas accepté, il n'y a pas contesté. Et tout de suite, nous allons prendre disposition pour que le vrai résultat soit là. Edmond Muller. Président dit, monsieur, bon, cela va de soi, fais ce que vous voulez. Mais nous n'avons pas besoin de faire l'élection, monsieur. J'entends, ouais, président Préval, toujours pas les cas là. Mais monsieur, nous n'avons pas besoin de faire l'élection. Nous te mettre. Sous bail, ça nous dit, mais qui monde que nous voulons comme président? Et puis nous dit, mais ni publié, moi, dit lui-même qui est président. Et puis, en pile d'échanges durs et autres, etc., moi, je dis en toute sincérité, c'est la première fois que je vive. Tu étais là? Ah, j'étais présent. Ah, ok. Ah non, mais je me sentais moins... privilégié. Oculaire. Oculaire. Vive ça. Comme un général. Oui, il était. Et puis, il décidait, et puis il dit, résultat, ça va bon. Et puis, il est parti. Dans la soirée. Ambassade américaine font notre sortie. Pour dire, résultat, ça va bon. Que ne pas reconnaître le résultat de l'élection, ça. Le président, il est...
au pont pour demander au pont, il dit pas comprendre. Bon résultat côté voye ban moi. Ou annoncer mon résultat. On dirait que moi étranger au Vietnam, yo dit que résultat ça pas bon. Or si résultat ça pas bon, qui résultat élection? Dis-moi, voye résultat élection ban moi. Et au pont dit président, résultat que me voye ba ou c'est bon résultat élection. Résultat que me transmettre conseil là pour conseil là baoua c'est bon résultat élection parce que moi même pas gagné pour me publier résultat en tant que directeur général me fait pour me prendre résultat pour me remettre des bail conseil là pour conseil là lui même faire suite avec lui et c'est ainsi que parole en pile et autres etc. Le lendemain on t'a gagné une résolution dans conseil dans assemblée générale l'OEA et que les États-Unis présentent, ils vont prendre sanctions contre Haïti, ils vont mettre Haïti sous embargo. Dans l'intervalle, nous entendons visa presque tout cadre unité coupée, parmi lesquels, je cite les noms, parce que plus qu'une douzaine, environ une douzaine, même quand c'était Nègre Pizami avec eux, je réagis, mais Paul Denis, Jean-Joseph Molière, et Dimitri Vob, on pile. Moi-même, je suis fixé, je suis sorti dans le gomme, parce que je connais de toute façon mal là dans tout. Je dis, ça fait garder nous couper visa. Non? Il suffit que ne pas couper visa pour Jacques Mel pour me continuer à manger candy close avec la moukane. L'obéit pété. Et puis le président relève par la suite. Le président dit ah Joe. Le président relève dans le matin pour dire ah Joe, font-tu monter côté. Bon, on t'y maille moulin là, ça bouca, on t'y juste citron, on t'y capote ensemble. Depuis le président, il est comme ça, bonheur, 6 heures du matin, il me dit, ah, gomba, il a passé. Parce que, monsieur, chaque temps, gomba, il doit, il a besoin de dire, il est le bonheur, on fasse au pot, il toujours vite au manger. Il n'est pas bon comme lui, non, mais il a fait vite au manger. Bon à savoir. Et puis, monte ma jeune, et le président dit, ah, hier soir, je vais dormir. Madame, moi, j'ai un problème. Parce que là, il a annoncé que vous fermez. Content banque, il a bloqué. Et quand il y a un processus pour faire saisir sous caillou. Petit qui est dans l'université, dans des bois près dans l'université, on peut déporter. Donc ce sont des gangsters. Alors, j'ai un problème. Il dit Joe. Définitivement là, moi et Léo pour nous prendre une décision. Je dis président, qui décision, président? Mon bon candidat qui est élu. Qui décision nous prendre la président? Il dit, ah Joe, ouais, moi Léo avant. Après ça, je vais les deux amis. Et c'est là que fait l'on est capable de faire parti politique. Faut faire parti politique. Avec alliance politique, avec amis qui ont qui partagé des problèmes, qui ont partagé des difficultés, ou tracas avec. Moi, je ne dis pas comprendre, président. Le président dit et que définitivement, il faut que nous retirions les juges dans l'élection. Je ne suis pas capable moi-même pour m'accepter que deux embargos faits sous moi, à la fois comme premier ministre et comme président. Parce que c'est une qui te prend l'or Aristide. Et puis Kounia là pour l'autre vin prend encore sous moi là. Je ne suis pas capable d'accepter ça. C'est un. Deux. Mesure qu'a prend là. Moi-même, personnellement, je ne peux pas supporter. Pas de pression à trois fois sur moi. Il faut que nous retirions les chutes dans l'élection. Hein? Et pour que nous publions les résultats de l'élection, vous voulez. Hein? Quelques temps après, il dit nous, il faut faire une note. Et puis, note ça, nous descendons dans le ministère intérieur. Avec Paul-Antoine Bien-Aimé, Jean-Joseph Molière, Kelly Sébastien, et puis, tu as un petit pouchon. Michel Clérier, sénateur Clérier. Et puis pour nous préparer une note là pour nous annoncer que pour nous voyer le bail Judy Boutus, pour Judy Boutus, qui a fait une note là, circuler dans l'OEA, pour dire que Jude a abandonné, retrait le fait, il désistait. Et c'est ainsi que nous finissons une note là. Et Jude dans tout ça. Non, Jude. Nous pas mélanger Jude dans le bail là. Même il va qu'on a Jude pas qu'on a rien. Et ça fait Jude par la suite,
ici à même. Oui. Jude une note et puis il dit nous vendons pour un plat de lentilles. Mais, voilà. Nous vendons pour un plat de lentilles. Oui. Et par la suite, nous faisons notre là. On a cherché Michel Clérier pour signer notre là. Michel Clérier marron. Marron. Et alors, notre là pour tes signatures, 4 mounes à yo. N'importe l'histoire capable de révéler ça, c'est 4 mounes à yo qui signent notre là. Et puis, nous voyons y aller. Et ce n'est que l'on a finalé. Je vais essayer de jouer Jude pour me capable de faire Jude une explication. Mais chaque temps, je vais Jude. Je ne sais pas ça pour me dire. Moi, j'ai un téléphone. Là. Alors, Jude, attendez-moi, ouais, excusez-moi, chaque temps, je Jude. Comme c'est ça, même Jude. Chaque temps, je Jude, j'ai un téléphone là, pour être ça, parce que pourquoi, ouais. Ça, on va le dire. Ça, on va le dire, Jude, parce que il est triste. Et finalement, je me Jude, je me dis, Jude, ah, situation compliquée. Il dit, ça compliqué. Hein. Joe, ça compliqué. Hein. Il dit, ah, il est président, plutôt, non, président pas là avant. Même quand le président te dit, il ne peut pas répondre du tout. Parce qu'il n'a pas qu'à répondre. Alors, son situation compliquée, et qui par la suite, nous obligé de retirer Jude pour nous bailler monsieur, possibilité, puis vous voyez dans le deuxième tour, Maninga et Madame Maninga et Martelly. Et Martelly. Et la suite, nous connaissons. Mais ce qui est pire dans tout ça, lorsque il y a de Mounlet qui a insisté auprès du président Préval, pour demander faire autre résultat, président Préval, qui met tête avec lui, il a eu à dire au président Préval, soit insister quoi, qui met tête, un avion, ça, qui là, qui tout prêt pour nous embarquer ou pour nous aller. Et me songer que le président Préval te répond pour lui dire, monsieur, on met prêt, allez avec moi. Nous avons tant, nous avons tout bagaille, tout le monde a pour que nous font kidnapping sur moi. Mais le lendemain, le président n'a pas craqué. Il a craqué. Il a accepté pour que nous fassions notre sang. D'aucuns disent que c'est nous-mêmes qui avons pris la mesure là, unilatéralement. Au cas comprendre que l'on telle mesure, nous n'avons pas été capable de prendre unilatéralement. Mais en fait, comme dirigeant de parti, nous avons assumé. Voilà. Donc, situation. Là, nous entendons Joseph Lambert. Moi-même, nous avons connaître qui s'est passé dans cette sénateur à ce moment-là. Non, maman, lui fait tout aveu ça, c'est qui ça qui a passé dans la tête lui. Et comme si, Mounio, permettez-moi, oui, et comme si Kounia, le fait que y ait des sanctions sous dos, yo vient diarrhée buccale. Vous comprenez? Tout côté au passé, il a parlé sans cesse. Yo vient parler, parole yo dit, c'est parole qui a retourné contre encore. Parce que nous vivons dans un monde côté que nous avons accès à l'information. Nous vivons dans un monde, je dis, dans une société, côté que tout ça dit, les paroles en vont, et les vidéos restent, les écritures restent. Donc, pas inquiétant, et sénateur Lambert, tout donné ça, il y a prêté là, et il a utilisé contre même. Au monde qui participait à craser la démocratie dans le pays, en 2010, dans l'intérêt blanc. Yon moun tankou qui participe nan déstabiliser pays yon, nan créer vague violence politique dans le pays en 2010, nan intérêt blanc. Comment jounen jodi an la, nous pral fè parler de sénateurs, de personnes responsables, de dirigeants responsables, de politiciens responsables, de moun ki reme pays yon, nous sommes nationalistes, soi-disant, nous sommes patriotes, soi-disant, nous avons bataille pour pays, nous avons dénoncé le comportement américain, nous avons dénoncé l'Occident, etc. Pas de moun kap kwe nous, moun ba kwe nous. Et fanatique nous yon pap kwe nous parce que nous là pour nous aider, comprenez, nous là pour nous partager vérité avec yo. Et chaque fois yon ce comportement ça yon nous adopte, yon pap jamb pran nous pour bon moun jusqu'à ce que nous sortions dans la politique ou bien jusqu'à ce que nous mourir nous parlons encore. Parce que pays en mérité pour libérer, pays en mérité pour gagner l'autre catégorie moun et l'autre catégorie moun ça. Li pas nécessairement moun tan kou nous kap krasé, kap continue krasé, déstabiliser pays, kap fè job blanc non. Parce que réalité yon c'est qui ça? Jodi, parien Lambert, parien yo sanctionne yo. Demain, je sa yo sanctionne yo. Mais blab cherche l'autre moun tou, pour yo instrumentaliser nan propre intérêt yo. Yo cherche l'autre moun toujours, pour yo faire continuer travail destructif ça en dedans pays. Travail pour déstabiliser pays. Travail destructif ça. Côté que yo pral krasé ça nous gagne comme principe de base en dedans pays. Est-ce qu'on a élection qu'a fait en dedans pays? Non. Jovenel te vini à
avec idée pour changer constitution. Qui sont vous fait président Jovenel Moïse? Jodi on fait 16 mois depuis assassiner Jovenel Moïse. La justice prend en mesure pour le faire lumière sur dossier. Pas besoin d'eau parce que plan États-Unis gagne, plan Occident gagne pour le prendre contrôle Amérique là pour gérer Haïti. L'idée passer ça n'a regarder avec yeux nous. Faut nous garder bagaille de point de vue géopolitique, faut nous garder bagaille de point de vue géostratégique parce que nous pas seul et chaque fois moi ouais par exemple et ancien sénateur Maurice Jean-Charles, li gon comportement côté que li mettait dans tête li et c'est mode bipolaire là qui là comme si États-Unis a ba nou tap États-Unis et gon gon pouvoir dominateur en Haïti, li ont influence qui dépasse entendement en Haïti. C'est comme si nous nous dans mode et bipolaire là États-Unis a marché sous nous, n'a viré vers la Russie. Non. Nous dans mode multipolaire journée aujourd'hui là et qui bizarre États-Unis c'est lui-même qui gère contrôle bloc côté nous y'a là. Amérique c'est États-Unis, États-Unis c'est met Amérique là. États-Unis c'est lui-même qui a contrôlé toute bagaille. C'est vrai journée jodi an là, le n'a gardé reconfiguration qui gagne dans question et Amérique latine, un paquet de président de gauche monté kounye a États-Unis a prend fil à retordre. Mais n'empêche que influence américaine nan li toujours même bagaille là. Et je dis, on soit suivre ça qui a passé en Haïti, on soit regarder l'impact influence américaine. Living Kounia regroupé là avec Canada, yon bon plan américain ou canadien pour prendre contrôle Haïti, pour mettre influence de manière accès net sur Haïti. Qui ça nous pral faire? Qui ça nous pral faire? Comment nous pral réagir? Et je dis, si nous voulons couper court avec tout ça qui a passé, toute influence États-Unis, tout contrôle yon prend sur Haïti, à moins que nous avons une véritable révolution. En révolution, côté que a une vraie idée de nationalisation, en révolution, côté que moun qui a décidé de prendre cette révolution, ça, son révolution qui prend le basé, son changement drastique, par une question, et ou gen allié dans la bataille, là, qui en bataille négocier avec l'Occident, non. Nan fon révolution, bon chambardement, bon bagay radical qui fait, c'est vrai, nous pas ka couper fâché avec international, c'est vrai, nous pas ka couper fâché avec différents pays parce que monde là, son monde qui a bougé, son monde qui a évolué, mais nous ka mette balise, qui est-ce qui pral vèl? Nèg sa yo qui a fait politique là, nèg sa yo qui yo même tout intérêt yo c'est la caille blanc sa yo dou yo pas vle wè Occident, mais yo gen caille, yo gen petit yo kap apprendre métier, yo gen petit yo kap prend formation, yo gen madame, yo gen ménage, yo investi dans Occident, dans différents pays qui constituent bloc Occident. Est-ce que jodi an nou ka préparer révolution avec moun sa yo? Est-ce que jodi an nou ka parler de révolution avec moun sa yo? Des séries de moun ka fait politique en Haïti, mais c'est travail blanc a fait. C'est travail même blanc ça qui a crasé, qui a déstabilisé. C'est travail blanc a fait. Qui ça me veut nous comprendre? Décision, sanction que États-Unis, Canada ou bien résolution yo prend là pour sanctionner toute gang, toute commanditaire gang là, c'est peut-être iceberg là lié. C'est peut-être iceberg là, c'est comme si ti point de soi, c'est lui même ou ap essayer comprendre, c'est lui même ou chercher comprendre, mais en bas il y a plus gros poisson. En bas il y a bagay qui plus difficile, qui plus grandiose pour essayer comprendre, et c'est ça qui fait nous besoin des experts en géopolitique, nous besoin des experts qui comprennent ça qui relève contrôle de zone d'influence là. Parce que je dis, est-ce que Haïti nous a considéré comme une zone d'influence? C'est ça qui fait que différents pays qui t'a remé et on comprend qu'il t'a remis prend contrôle États-Unis a bataille pour le Kimber en prise sur Haïti, mais on pour être par exemple Maurice Jean-Charles lui-même n'a fait appel à la Chine, à la Russie. Et suivre bien pour ou on pour ces mêmes États-Unis ça qui fait qui pousse autorité nous au lieu nous faire au lieu nous gagner relation diplomatique avec la grande Chine, yo pousser nous à jeune Taïwan. Yo façon pour yo détourner nous vers l'autre grande puissance yo. Donc États-Unis lui-même ni intelligent, hein? C'est nous-mêmes qui pas comprendre, c'est acteurs politiques, c'est autorités politiques qui pas comprendre, mais eux même yo comprendre ça y a fait haïtien, yo comprendre ça y a fait haïtien, yo comprendre chaque action yo fait autorité nous opposer. Et suivez bien pour ouais. Suivez bien. Imaginez nous gain États-Unis pour arriver contrôler
politique intérieure la Cali. C'est à l'aide des services de renseignement qui n'importe pays hein, qui arrive à contrôler les services de renseignement, li ka contrôler les politiques intérieures, li la gérer tout ça qui passe la Cali. Bien, nous même en Haïti, nous pas un bon service de renseignement, nous pas qu'à contrôler rien en dedans la Cali. Si nous pas qu'à contrôler rien en dedans la Cali, donc c'est normal pour yo imposer nous. États-Unis pas un monde qui ka imposer. C'est ça que fait États-Unis. La chute à sous même tabac avec la Russie, la chute à sous même tabac avec la Chine. La chute à sous même tabac avec Grande-Bretagne, y a négocié différents pays en dedans Conseil de sécurité des Nations Unies, y a négocié et ça fait que 5 pays qui ont droit de veto, y a imposé. Y a imposé tout même ça y a négocié, y a imposé. Donc, y a toujours mettez en une situation, c'est eux même qui gagne contrôle. Je veux dire qui contrôle Haïti gagne. Qui contrôle dirigeant nous gagne. Nous pas qui contrôle, nous perd du contrôle. Contrôle toute bagaille au profit de l'Occident, au profit des États-Unis. Et je dis en la suivre, ouais, acteur ça yo en Haïti, acteur politique ça yo, nèg ça qui constitue élite politique là en Haïti, qui je dis en la, yo censé pas utile États-Unis en rien encore. C'est pas parce que yo il a tortue avec Joseph Lambert, sénateur Lambert, yo un problème vraiment avec États-Unis, comprenez bien. Non moment là yo pas utile. Yo pas utile encore et c'est une des raisons pendant que yo mette projecteur sous nèg sa yo nous même nous doit axer sur yo nous doit accentuer sur yo pour yo pas jamais utile encore pour yo pas jamais utile blanc encore au détriment de la nation haïtienne parce que dossier a son dossier qui public c'est pas nous qui fait parole sur yo c'est pas nous qui fait mentir sur yo. Aussitôt que dossier en public, nous libre pour nous commenter, nous libre pour nous ba opinion nous. Donc, si nèg yo te besoin gérer bagala huis clos, yo pa ta prendre ni public, yo pa ta gen mete communiquer dehors. Département du Trésor américain pa ta publier. OK, sous page officielle yo. D'ailleurs, on note qui officiel, on note qui gagne en tête institution qui signe pour un sous-secrétaire d'État américain, c'est pas un bozier. OK? C'est pas une information vinn bay pour faire buzz, c'est pas une information vinn bay pour faire, on comprend pour faire views. Ça sont information qui vérifier li et je dis que Lambert que Luri, yo pas ka empêcher ça, yo pas ka empêcher qui parle de ça. C'est public et automatiquement le public nous même nous façon nous ka réagir sur lui que jamais nèg sa yo pa jamais retourner dans politique pour aller prendre des décisions au détriment du peuple haïtien que jamais et bon l'autre bagaille qui est extrêmement important puisque je dis en là nous face avec des décisions des sanctions que Occident imposé avec des politiciens haïtiens des entrepreneurs haïtiens qui ça nous même en Haïti nous supposé faire presser nous supposé agir nous d'accord sur ça nous clair sur ça commissaire gouvernement doit agir juge d'instruction doit agir la justice doit servir contre nèg sa yo mais n'empêche que à l'échelle internationale il y a l'autre bagaille qui ka fait tout. Gen l'autre bagay ki ka fèt comme quoi est-ce que nous pral mande une enquête internationale est-ce que nous pral mande pour nèg sa yo pour yo mete à la disposition de la justice internationale etc. est-ce que nèg sa yo est-ce que yo te fait trafic stupéfiant sous sol américain est-ce que di a bien pour vinn bote etc. nous pou konnen n'ap tan suite yo et gros bagay m vle tire au clair avec nous pour zanmi k'ap mande pour qui ça c'est Youri la tortue pour qui ça c'est Joseph Lambert moment là pour qui ça c'est yo puis faut moi dis nous non moment là c'est deux moun sa yo sous scène politique là yo avi li gen l'autre toujours qui était dans l'ombre gen l'autre qui dans politique qui gen sanction mais yo dans l'ombre yo pou quoi avi li yo sous place publique pour qui ça c'est Youri avec Lambert parce que deux moun sa yo pour l'instant c'est yo même qui gênant. OK, c'est eux même qui gênent pour États-Unis pour ambassade américaine, yo avis yo publié yo, mais ça pas veut dire pour autant c'est seul yo même jouer États-Unis a jouer là bon tout d'abord. Li pas faire, li pas avis yo dans intérêt Haïti hein. Ou même sous les kounye attirer intérêt là-dedans, mais pas faire pour intérêt nous, li pas faire au profit des Haïtiens, au profit d'Haïti, pas du tout. Kounye a gros aspect pour nous ouais. Nèg sa yo considéré yo comme petit tête iceberg là. Ou bien nous t'es considéré comme poupée russe. Par contre, si nous regardons des films russes et films service secret russes, leur voyons une poupée bas ou poupée russe, leur pensée, soit ouais, c'est ça, on va l'ouvrir, c'est lui-même, on va jouer dans le bagarre, et puis leur ouvrir. Ou je n'en l'ai poupée. 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 Jusqu'à ce qu'on tombe sous des nids de tigre, pipi,
pipitien, oui, mais c'est lui-même qui gagne information capitale là-dedans. Pour pral ouvrir, ou pral jouer information, ou voye baoua. Eh bien, ça qui a passé là, c'est pas tractation. Les amis qui disent tractation, c'est pas tractation. C'est vrai, il y a intérêt États-Unis, il n'y a pas intérêt Haïti. Mais n'empêche que, nèg yo, à un certain moment, yo te constitué yon problème. Pour pays, puisque c'est eux-mêmes qui t'a bail information, puisque c'est eux-mêmes qui t'a vendre pays, qui t'a vendre information politique, données sensibles dans le pays, et bien je dis, États-Unis, Canada, pas besoin encore, ils ont travaillé, ils ont pas constitué un entrave pour Haïti, non, ils ont constitué un entrave pour États-Unis, donc dans le moment, ils ont sanctionné, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et là, j'en bagay la pied là, c'est ou quand même prendre pour un roulette russe. Vous comprenez? Il a fait roulette russe à nèg yo, yo mette green ball là, il a viré zam nan et puis bon, li tombe sou Yuri, li tombe sou Lambe nan moment là. C'est eux même qui sous place publique là, c'est eux même tout le monde qu'on a fait yo. Mais ça pas veut dire pour autant des séries de nèg qui nan politique là aujourd'hui, on pense on nèg qui entre en base là réel là, ou pense au bon moun, ou pense aujourd'hui là le fait que pas gagne des sanctions qui prend contre André Michel contre Nenel Kassi, ça veut dire pour autant yo bon moun, yo pas bon moun tout non moment là yo besoin parce que bon reconfiguration pouvoir qu'a fait yo retire nèg za 20 ans 30 ans qui était là t'a coupé t'a praché t'a mangé t'a joui kounia yo vinn font reconfiguration du pouvoir en Haïti ou jeune André Michel ou jeune Majorie Michel ou jeune Edmond Sublice Bozil ou jeune différents monde qui allié et Ariel Henry dans moment là qui allié premier ministre qui ont même à profiter dans la classe politique, là, yon vin créer une guerre froide. En dedans, classe politique, là, yon une guerre froide. Je dis, yon suivre pour eux. Nèg yon a épée. Épée yon a double tranchant. Majorie Michel a voué point sous nèg Yuri yo. Majorie Michel, bon allié André Michel. La voye point sous Nenel Kassi qui était dans clan yo ou vin wè yo vin créer une guerre froide en dedans classe politique noire entre-temps yo même occident ça les États-Unis Canada ou bien et corps groupe y a tiré bénéfice y a tiré intérêt y a consolidé Ariel y a mettre moun qui était ka constituer opposition radicale là yo prend tout yo fourré en bas vent Ariel dans intérêt qui est au profit de qui est au profit d'Haïti au profit d'Haïti ou bien au profit de Ariel ou bien au profit du blanc. C'est ça que vous voulez nous comprendre, c'est ça que vous voulez nous maîtriser. Parce que chaque zèle, ou bien chaque pion, États-Unis ou bien corps groupe mette à terre là, vous avez connu comment vous pouvez anticiper. Vous avez connu qui intérêt vous pouvez tirer de lui, qui profit vous pouvez tirer de lui. Jodian là, nous pensons pas qu'on paquet nèg qui t'a fait politique, qui était dans l'opposition politique là, qui participe à l'assassinat de Jovenel Moïse. Moi-même, c'est ça que fait. Bon, bah, quoi aspect qui est tellement important. Nous voulons nous comprendre ni et nous voulons nous toujours considérer. Un président assassiné, il a assassiné un président pendant qu'on a parlé de démocratie, pendant que États-Unis a parlé de principe démocratique, respect de la démocratie, États-Unis érigé tête lila comme le père de la démocratie en Amérique. Le Trump était sous, le Trump était président, oui, le Trump était dans tête Maison Blanche. Yo te considéré un groupe démocrate, yo te considéré que États-Unis tombé nan niveau qui pi bas en termes de démocratie, en termes de respect des droits. Vous comprenez? Jodi an la, nous gagnons démocrate qui sous pouvoir. Depuis 20 janvier 2021, Biden dans pays. 7 juillet 2021, assassiné un président. Qui disposition nous États-Unis prend pour faire lumière sur dossier? Au contraire, yo dou gen un ensemble de preuves, un ensemble d'informations qui classé secret. OK, ça c'est premier comportement yo gen. On dirait que Martin Moïse avec Timoun yo, c'est séquestré aux États-Unis, yo pa ka vin Haïti. Ça sont l'autre aspect, son l'autre point. Bon l'autre bagarre vous voulez nous comprendre. Au Tchad 20 octobre qui se passé là. Attendez bien, nous pral faire parallèle là, on pral comprendre que plan États-Unis gen dans moment là. C'est plan, prend contrôle Haïti, mettez moun yo sous pouvoir en Haïti, gérer ça nous les politiques intérieures en Haïti, sans pour autant respecter principes démocratiques, sans pour autant respecter valeurs démocratiques, chaque jour, à faire promotion pour lui dans le monde là. Tenez bien, Tchad 20 octobre qui se passe à là, gagné une manifestation qui fait contre transition, contre groupe moun qui sous pouvoir. Au Tchad, son régime de transition li. On pouvoir transition li. OK, pas de problème. Manifestation faite. Près de 50 moun mouri.
près de 300 moun blessés, rapide, nan moment n'a parlé à la, gagné un groupe comment on les bagay ça, gagné une enquête internationale qui sous pied là. Enquête internationale là, yo mettel kanpe sous pied pour répondre à plusieurs questions. Qui a fait quoi et pourquoi? Yo besoin konnen qui est qui commandité quantité assassinat sa yo qui fait dans manifestation, qui est qui derrière toute violence sa yo qui participe dans manifestation et pour qui ça? Yo pas besoin konnen si c'est moun qui en face transition, yo pas besoin konnen si c'est moun qui dans transition, yo a enquêté sur tout moun. Pour qui ça 16 mois après assassinat Jovenel Moïse, pas gagné une enquête internationale sous dossier assassinat? Pour qui ça États-Unis qui gagne la cali différents moun qui soit disant impliqué dans assassinat Jovenel Moïse, pas une enquête sérieux? Yo passe devant juge, tout moun dou, yo plaide non coupable, c'est procès qui pral fait. Procès vi retourner son date. Son date ultérieure, yo repoussé. Alors que l'autre pays côté États-Unis ouais principal intérêt, États-Unis ouais nécessité pour lumière faire sur un paquet d'activités criminelles qu'a fait. Rapide, yo nan tête pays qui a demandé pour une enquête internationale. Yo nan tête pays qui a planifié pour une enquête internationale alors que en Haïti, ils s'en foutent pas mal, même communauté internationale ça, même aux Nations Unies ça, même différents autres blocs régional international, yo pas ba nous régler au merde pour yo. 16 mois après, étonnamment pour Martin Moïse qui fait carrément pour un tribunal international pour gagner et la justice internationale qui tranchait sur le dossier assassinat de Jovenel Moïse. Ça, son blague. Parce que c'est eux-mêmes qui sont les principales personnes qui complice, qui sont les principales auteurs. Mais il n'y a pas fait rien. Jusqu'à présent, qui s'est passé avec le directeur CTU? Qui s'est passé avec le responsable maître CTU? En merde, pas fait. Antonio Endriago, qui s'est passé? Qui s'est dit avec elle? Rien. Est-ce que là on peut parler de démocratie alors que un groupe étranger, un groupe mercenaire rentre la caille nous, yo lié avec DIA aux États-Unis, yo lié avec FBI CIA aux États-Unis et puis en Haïti. En Haïti nous pas faire rien, yo même encore comme autorité étrangère, yo bloqué dossier, yo bloqué enquête. C'est juge d'instruction yo voulez pour yo mettre. C'est ça yo voulez qui pour faire. Et au niveau international nous pas faire rien. N'a parlé de démocratie, nous comptons, nous croyons sur les États-Unis ça toujours. Nous croyons sur les États-Unis ça. Moi-même, je voulais nous clair son seul bagaille. N'a fait politique, je dis à ce politique, nous supposons faire politique, j'ai calé. Ok? Son politique, give to give. Nous pas qu'à faire politique, mettre pied sous cou. Nous pas qu'à continuer à faire politique, craser ça, au profit de ça. Y a craser Haïti. Ou pas qu'un politicien participe à craser pays, pour qui ça? Pour madame, yon appétit, yon ka bien vivre. Madame, yon appétit, tu apprend bon jeu formation, bel travail, bon job, nega bien viré, petit nega bien viré. Yon ka espéré. Oh oui, yon ka espéré, yon bel machine, yon bel kaye. Mais petit pas nous, petit ti, gentil, Jacques en Haïti, même l'école li pa ka ale. Petit pas nous, même nos universités, l'État yon pa ka rentre. Petit pas nous, le yon fait sacrifice pour yon droit go naïve. Sous Canaran, yon installe un groupe gang, kap viole yon, kap fe ka deja ksu yon, kap touye yon. Mais ça nèg yon créé en Haïti, mais ça politique l'on créé en Haïti, mais ça international l'on instrumentalisé en Haïti. Honnêtement, ouais, dans le moment là, plus gros conseil pour nous, c'est suivre l'actualité internationale. Suivre ce qui a passé entre la Russie avec l'Ukraine. Suivre ce qui a passé dans le moment là entre Israël et Palestine. Ça qui a passé entre Corée du Nord, Corée du Sud. Ça qui a passé entre Chine avec Taïwan. Non, mais t'as tout le bagage ça, yo. Non, mais t'as tout turbulence ça, yo. Suivre pour eux. Ou abjoint les États-Unis, non, mais t'as tout. États-Unis, c'est point central là. Et bon, l'autre bagage encore. Non, moment là, à côté que l'année 2022 a son année élection liée dans l'Amérique latine, non. Amérique latine, qui est aussi proche des États-Unis et qui géographiquement éloignée. Ni de la Chine, ni de la Russie. Et pourtant, ou ap jwenn un paquet de dirigeants de gauche dans le moment là, qui est dans l'Amérique latine, yon coupé relation avec les États-Unis, ou bien yon là-dedans qui voulait couper relation avec les États-Unis, yon pral fait alliance avec la Russie, yon pral fait alliance avec la Chine. Donc, États-Unis, quelque part, on dirait, li gen pays, li gen contrôle le pays dans l'Amérique là toujours, oui. Mais Haïti, c'est pays que yon mieux contrôlé. Yon mieux contrôlé. Et gon l'autre aspect qui est important, pendant que yon contrôlé Haïti yon là, yon veye tout pour en bas pour nous même pour ne pas intégrer relation avec
pays tant que la Russie, pays tant que la Chine, qui a désorienté ça a gagné comme plan, qui a désorienté ça a gagné comme projet. Parce que contrôle dans ce qui s'allie. Si les États-Unis besoin kembe dominance, kembe au pouvoir gagner, kembe contrôle li dans les Caraïbes là, dans l'Amérique là, gen quelques zones stratégiques, gen quelques zones côté que gen des zones d'influence, zones côté nous te ka mettre et port, des zones côté nous te ka et autant de là l'autre par exemple Fort Liberté. Fort Liberté ta supposé gen un port côté que bateau ka vin accoster normalement pour qu'ils soient penser États-Unis pas quitter au fait alors que son projet qui l'a depuis longue date son projet qui l'a bien longtemps pour qu'ils ça pas faire parce que l'on a regardé gon paquet parc industriel qui gen coréen là-dedans yo ou a regardé par exemple parc Caracol là. Parc Caracol tellement gen coréen là-dedans, li gen des séries de monde qui lié directement avec la Chine là-dedans. Ou pensez t'ab jamais gen accès direct pour ta gen au port côté que bateau Chine a vinn débarquer. Ah bon, yo pa jamais tolérer parce que yo besoin gon contrôle exclusif sur tout ça qu'a fait et ATA là en Haïti. ATA là en dedans la République, bon l'autre bataille qu'a fait, c'est même bataille politique ça, c'est même bataille économique ça, c'est même bataille géopolitique, géostratégique ça qu'a fait, des séries de gros grands nègres dedans pays là qu'a contrôlé port, des séries de gros grands nègres qu'a contrôlé rentrée maritime yo. Et pourtant nèg sa yo gagne qu'il y a avec la Chine, gagne qu'il y a avec États-Unis, bataille a fait entre eux là pour yo ka kembe influence, pour yo ka kembe contrôle. C'est une des raisons virer tout nous entendez, yo dou bataille qu'a fait ATA là, insécurité, violence ça, c'est soit dans des tantôt c'est groupe Bidjo, dans des tantôt groupe Bossan etc. qui derrière toute bagaille ça yo. C'est ça qui fait nous besoin des experts qui ont même comprendre ça qu'a passé à très bien, qui ca expliquer nous en bon détail, qui ca expliquer nous pour nous comprendre. M'a chercher des séries de monde qui ont même spécialisé en géopolitique, en géostratégie qui capable nous plus de détails pour public moyen qu'à comprendre exactement qui ça cap passer dans dossier ça. OK? Donc on pense jodi an là, nous gen ensemble des formations qui ca aider nous, ensemble des formations qui a éclairer nous sur ensemble de dispositions de décisions que communauté internationale la prend, pas hésiter partager vidéo, pas hésiter partager information ça avec l'autre monde, le ça n'a prêté connecté à chaque décision qui prend dans la République. C'est un plaisir pour me avec une émission aujourd'hui. Rendez-vous en cassé à 7h avec Foucault pour cette programmation. Restez connectés. Merci tout le monde. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où est mes pays et puis on agit. Mon éditorial. Désespoir de machination politique et l'énergie. Mon éditorial, je dis tout. Mon éditorial. Émission Mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique.